Bonjour à tous, nous sommes donc là sur un casino en ligne, le bitcasino.io. C'est un casino qui vous permet de jouer au casino, hein, au poker, au blackjack, à la roulette, à tout ce que vous souhaitez, à la loterie. D'accord? Et celui-ci a la particularité d'utiliser des jetons en mini BTC. Ça veut dire qu'en fait, vous faites vos dépôts ici avec du BTC, d'accord? De l'Ethereum, du Litecoin, etc. sur votre compte en cliquant simplement sur dépôt et vous pouvez inscrire votre mini BTC directement sur votre dashboard. Il faut savoir que 1 BTC ici correspond à 1000 mini BTC. C'est-à-dire qu'ici on est par exemple à 6 800 $, ça veut dire qu'il faudra multiplier par 6,8 ce que vous avez gagné ou ce que vous misez en jetons pour pouvoir avoir la correspondance en euros. Ici sur le compte, on voit qu'il y a 647 euros. Alors, on va aller faire un tour par exemple sur une salle, d'accord? On rencontre par exemple sur la roulette que ce sont des salles avec des personnes physiques qui sont filmées. C'est pareil pour le baccarat, d'accord? Je suis absolument pas joué au baccarat. C'est pareil pour le blackjack, voilà. Etc. etc. En fait, vous avez même des jeux de paris sportifs à l'intérieur si vous le souhaitez. Regardez. Faut laisser le temps charger. Et puis, vous pouvez jouer également sur le même casino en ligne. Alors, on vous demande, lorsque vous créez votre compte, on vous demande effectivement quelques informations personnelles. Vous pouvez envoyer votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile et c'est fait très très rapidement dans les 6 à 8 heures. Ensuite, le gros avantage, c'est comme c'est de la crypto-monnaie, ça passe directement par une blockchain. Vous n'attendez pas pour pouvoir récupérer votre argent sur ce casino. Si vous gagnez, vous cliquez tout simplement sur, on va aller le voir après sur le compte sur retrait et instantanément, hein, dans les 2-3 minutes, vous recevez vos jetons sur votre compte. Et on va le faire à la fin de la vidéo. Alors regardez tout simplement ici, vous arrivez sur le casino. Voilà, vous choisissez votre salle, on va prendre celle-ci. Voilà. Sur la salle, vous pouvez avoir une vue salle, c'est plus sympa. Voilà. Et là, vous avez votre vue salle complète. Ici, vous avez votre bankroll. D'accord? Donc ici, il y a 102,22 mini BTC, ce qui fait la valeur globale de ce que vous avez vu sur le compte tout à l'heure. Et vous placez vos jetons ici. Bon, ça, je vous laisse aller voir. Tout simplement, vous placez vos jetons selon votre propre stratégie. Vous avez ici des statistiques, d'accord? Statistiques des zones qui tombent sur la roulette. Vous avez des statistiques concernant les zones où première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, ou noir ou rouge ou vert avec les chiffres qui sont sortis. Et ici, vous avez avec tous les chiffres qui sont sortis avec l'ensemble des statistiques, vous pouvez régler avec la profondeur du jeu qui a été joué. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Vous misez, vous doublez, vous mettez vos jetons et vous avez ici en haut à droite, à gauche, pardon, le minimum de mise et le maximum de mise. Je rappelle que si vous allez choisir votre table, en l'occurrence je parle de roulette ici, vous pouvez regarder simplement ici sur le petit i information, d'accord, pour pouvoir voir le minimum et maximum de roulette. Vous pouvez vous rendre compte qu'ici c'est une vidéo en français, qu'il est en français. Le site, d'accord. Vous avez en fait la possibilité d'aller régler votre site si vous le souhaitez avec la langue de votre choix. Donc ça, c'est très important. Voilà, regardez, tout est en français. Donc pour nous, en français, ça marche, en anglais, en espagnol, etc. Il est multilingue. Alors maintenant, allons dans la partie dépôt. Voilà, en dépôt, vous cliquez donc en haut à droite sur dépôt, mais je vous le cache parce qu'il y a des informations personnelles. Ici, vous avez donc soit dépôt, soit retiré. Pour le dépôt, vous cliquez. Voilà, ça charge. Et tiens, ça n'a pas chargé. Donc pour dépôt, on recommence dépôt. Dépôt. Voilà. Ici, vous cliquez, c'est pour faire un dépôt. Donc on va cliquer. Ça ouvre la page. Et ici, vous avez votre flashcode. Hein, si vous souhaitez envoyer directement vos BTC, d'accord, dépôt en BTC, ou alors ici vous copiez votre adresse, vous allez dans vos toilettes et vous envoyez vos BTC.
dépôt minimum, d'accord? 1 milli BTC. C'est absolument rien du tout, quoi. En gros, c'est 6,80 €. Voilà. Ici, vous avez les différents dépôts qui ont pu être faits. Le premier dépôt que j'ai tenté directement parce qu'il vous transforme votre BTC avec votre carte bleue, si vous voulez, ici. Donc, vous payez avec votre carte bleue sur BTCXE. C'est un site qui va vous transformer votre monnaie fiat, donc en euros ou en dollars, directement en BTC. Donc au début j'ai voulu le faire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des frais assez importants et que j'avais d'autres moyens d'avoir des frais moins importants. Donc de ce fait, j'ai annulé mon dépôt de 300 €. Voilà, donc il n'a pas été effectué. Et ici j'ai directement mis donc des BTC avec un dépôt de cette valeur-là sur l'adresse de wallet qui est ici. Et j'ai posé mon argent et j'ai pu commencer à jouer. Voilà. Maintenant, venons-en à l'objectif du casino, c'est gagner de l'argent, bien entendu. Donc, pour en gagner, vous avez vos techniques, d'accord? Et bien là, vous cliquez toujours en haut à droite, donc sur dépôt, vous revenez sur cette page-là, et ici, vous allez dans retirer, d'accord? Et dans retirer, vous rentrez le montant que vous souhaitez retirer. Ici, pour ma part, j'ai 102,22. Je recommence toujours mon cycle à 80. Donc, je vais prendre tout simplement 22, 22, 2. Ah, ça marche pas. On peut pas mettre de virgule. Voilà. Donc comme ça, on le sait. On peut pas mettre de virgule. 22, on va essayer la virgule, pas le point. Ah, si, ça marche. Bon, on va laisser à 22. D'accord? Pour être sûr que ça arrive. 22. Et ici, je vais mettre mon adresse BTC, tout simplement, pour pouvoir recevoir la transaction. Donc je viens coller ici dans BTC adresse, mon adresse tout simplement. Je copie, je colle. J'ai été la copier avant, je colle mon adresse, d'accord? C'est mon adresse de BTC. Et tout simplement, je vais cliquer sur retirer. Ça va arriver dans mon wallet, donc en toute sécurité, pratiquement instantanément dans la blockchain BTC. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'attend plus les validations des services de sécurité, des casinos. Et je clique. Et voilà, donc là, en d'autres termes, c'était mon gain d'aujourd'hui. Voilà, chargé. Et voilà, là, directement, ici, 10h55. Voilà, là, nous avons la commande confirmée. Ah non, c'est pas la bonne, pardon. Nous avons ici en attente, pardon. Nous l'avons en attente. Et nous avons la somme qui s'en va automatiquement. Voilà, fonds retournés, retrait annulé par l'utilisateur. Ah, j'ai cliqué dessus par erreur, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, les fonds sont partis et ça a été annulé dans la seconde qui suivait. Bon, on va recommencer. 22. On va pas aller dessus, on va pas cliquer dessus. À mon avis, c'est quand je faisais la démonstration, j'ai dû par erreur, recliquer dessus. Alors, je retire. Voilà, on touche pas, on laisse la souris sur le côté, on le laisse faire en attente. Ah oui, il y a annulé dessous. Ça y est, j'avais pas vu, il y a annulé ici. Voilà, j'ai cliqué sur annuler. Quelle andouille. Donc là, je me verse 20 mBTC. Donc ça fait 22 multiplié par 6,8. Voilà, je me vire le gain d'aujourd'hui qui est de 149 euros. En valeur BTC d'aujourd'hui, hein, et je considère que le BTC il est à 6 800 euros ou dollars, donc j'ai pas fait de conversion à l'intérieur pour que ce soit clair. Voilà, donc normalement je devrais recevoir ça sur mon wallet automatiquement. Je vais essayer de vous le montrer si je peux allumer une caméra en direct, mais c'est pas certain. Je vais vous le montrer. En l'occurrence, ça c'est sur le Cool Wallet, donc Coolbix. Que ça va arriver quand ça arrivera. Voilà, je vais vous montrer ça. Et voilà, dans ma boîte mail, je reçois directement un retrait en cours sur le milli BTC. Puis ensuite, je le reçois directement sur mon application, comme on peut voir ici avec l'heure, la date, etc. J'ai reçu mes 0,022 BTC. On n'est plus en mini BTC, donc vous faites le rapport 0,022 au cours du 16 et vous vous rendez compte qu'on est à peu près dans les
150 $, 150 €, je fais absolument pas la différence du dollar qui est à aujourd'hui, je crois, 1,09. Voilà, tout simplement. Et ça arrive bien sur mon téléphone avec la validation de la transaction. Ça ne peut pas être plus rapide que ça aujourd'hui pour avoir sa transaction. On va valider, réactualiser la page, pardon. Voilà. Et normalement, elle devrait passer en confirmé total. Voilà, confirmé total, les transactions retirées, poum, voilà, j'ai ici, bon, parce que je me suis trompé tout à l'heure, vous avez vu, j'avais appuyé sur annuler, et ici j'ai bien mon retrait qui a été confirmé et qui est dans mon wallet sécurisé, et j'ai bien gagné. Là, pour honnêtement, pour faire saliver un peu de monde, pour 50 minutes de roulette que j'ai fait en live sur Twitch, ben j'ai gagné 149 $. Voilà, 50 minutes, on va dire, si on arrondit ça à une heure, 150 €. C'est sympa. Quand ça se passe bien, bien entendu, puisque c'est un jeu dangereux, plein de chance. Mais ça, c'est un autre débat. Si ça vous a plu cette vidéo, si vous voulez aller sur ce casino en ligne, et si vous voulez être sympa, je vous mets un lien d'affiliation en dessous qui vous permet d'ouvrir un compte sur ce casino en ligne. Merci à vous, à bientôt!